Ô Jésus, notre doux Sauveur, me voici humblement prosterné à vos pieds, afin d'implorer votre infinie miséricorde pour moi, pour les pécheurs, pour les mourants et pour les âmes des fidèles trépassés. Daignez m'appliquer les mérites de votre sainte passion que je vais méditer. Ô Notre-Dame des sept douleurs, daignez m'inspirer les sentiments de compassion et d'amour avec lesquels vous avez la première suivi votre divin Fils dans la voie douloureuse du calvaire. Sabbat mater dolorosa, juxta crucem lacrimosa, dum pendebat filium, cuius animam gemente, contristatam et dolentem, per transivit gladium. Première station, Jésus est condamné à mort. Adoramus te Christe et benedicimus tibi. En Jésus, la vie, la paix, l'amour sont condamnés à mort. Ce jugement est en soi la plus grande erreur humaine. Mais l'amour infini du Christ le répare. Sa prière n'est-elle pas toujours exaucée? Jésus semble dire, « Père, voici, je viens comme l'agneau du sacrifice. Ils ne prennent pas ma vie, je la donne de moi-même. Cette vie qu'ils veulent m'ôter de force, donne-la leur toi-même en abondance. » Miserere nostri Domine, miserere nostri. Fidelium anime per misericordiam Dei requiescant in pace. Amen. O quam tristis et afflicta, fugit illa benedicta, mater unigeniti. Deuxième station, Jésus est chargé de sa croix. Adoramus te Christe et benedicimus tibi. Par obéissance et par amour, Isaac s'était chargé lui-même du bois du sacrifice, cet holocauste sur lequel il devait être immolé. Par obéissance et par amour, le véritable agneau de Dieu, Jésus, se charge lui-même du bois de la croix. Cette croix va devenir l'autel de son sacrifice et le signe universel de sa victoire sur les puissances du mal et de la mort. Miserere nostri Domine, miserere nostri. Fidelium anime per misericordiam Dei requiescant in pace. Amen. Quae merebat et olebat, pia mater dum videbat, dati benedicimus.
Christet benedicimus tibi, quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum. La foi et l'espérance connaissent parfois des chutes ou des obscurcissements momentanés. Une souffrance ressentie comme injuste ou excessive peut être l'occasion de ces chutes. C'est le moment de regarder Jésus se relevant sur son chemin de croix et de l'écouter. Il semble nous dire « Je connais ta peine, mais toi, connais-tu la mienne ? Viens me rejoindre sur le chemin du plus grand amour. Ensemble, offrons tout au Père pour le salut du monde. » Miserere nostri Domine, miserere nostri. Fidelium anime per misericordiam Dei requiescant in pace. Amen. Quis est homo qui non afflerit, si videret in tanto supplici. Quatrième station, Jésus rencontre sa très sainte mère. Christet benedicti, Marie semble nous dire, en s'adressant à Jésus, « Jésus, mon enfant et mon Dieu, comme ils t'ont traité durement, comme ils t'ont haï sans cause, comme ils t'ont rendu le mal pour le bien. Pardonne-leur, ô mon fils, ce péché, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Vois mon cœur de mère, blessé, tout uni au tien et tout abandonné au Père. Que sa volonté de salut s'accomplisse et que vienne son règne. » Marie, pleine de grâce, a porté sa croix. Adoramus te Christe et benedicimus tibi. Saint Marc, dans son évangile, précise que Simon de Cyrène était le père d'Alexandre et de Rufus, qui semble être bien connu des premières communautés chrétiennes.
Selon la tradition, les membres de cette famille se seraient convertis peu après leur père. Lui-même, ayant été touché par la grâce lors de sa marche douloureuse derrière Jésus. C'est Saint Luc qui nous précise qu'il marchait derrière Jésus. Simon de Cyrène est alors le vrai disciple, celui qui marche à la suite du Christ, derrière Jésus. Nous aussi, soyons les disciples du Christ qui monte vers le calvaire. Miserere nostri Domine. Fidelium anime per misericordiam Dei requiescant in pace. Pro peccatis essuie la face. Tet benedicimus tibi. Pendant la passion, pendant le chemin de croix, l'Église des apôtres est pratiquement absente. Mais l'Église de l'amour continue de servir en la personne de quelques humbles. C'est par exemple Joseph d'Arimathie qui s'oppose à la condamnation de Jésus. C'est le bon larron qui prend la défense du Messie. C'est le soldat qui soulage la soif du crucifié. Ce sont des femmes qui prie et pleure à ses côtés. La tradition évoque aussi le geste de Véronique, une femme qui vient essuyer le visage souillé de sang et de sueur de Jésus. Comme elle, sachons nous aussi reconnaître Jésus derrière tout visage défiguré par la souffrance. Fidelium anime per misericordiam Dei requiescant in pace. Christet benet. Également. Cependant, rappelons-nous que les enfants tombent, mais sans se faire beaucoup de mal. Pourquoi ? Parce qu'ils sont petits. Ils ne peuvent se faire mal. Si nous devenions réellement humbles, comme des petits enfants, nos chutes ne seraient pas dangereuses.
mais cela suppose de faire violence à notre orgueil et à notre suffisance. Cela est souvent dur, mais le royaume des cieux est à ce prix, redevenir comme de petits enfants. Jésus console les filles d'Israël. Adoramus te Christe et benedici. Les paroles de Jésus aux femmes de Jérusalem sont comme les paroles des prophètes de l'Ancien Testament. Un oracle prophétique, mais par-delà le message d'avertissement et de pénitence, un enseignement est donné. Jésus semble dire : si je vous parle ici comme prophète, c'est parce que je suis le prophète annoncé par Moïse. Si vous me voyez souffrir, c'est que tout vrai prophète est en but à la persécution. Si enfin je vous exhorte à la pénitence, c'est qu'elle vous est encore possible et que moi, je ne vous condamne pas. Miserere nostri Domine, miserere nostri. Fidelium anime per misericordiam Dei requiescant in pace. Tu inati vulnerati, me cum divi. 9e station. Adoramus te Christe et benedicim. La peuvent nous faire trébucher. Mais certaines épreuves intérieures aussi. La plupart des amis de Dieu, la plupart des disciples de Jésus connaissent un jour un obscurcissement de la foi. Pourquoi ? Peut-être pour que Dieu, l'hôte intérieur, celui qui habite en nos âmes, soit cherché davantage pour lui-même que pour ses consolations et pour ses dons. Peut-être aussi pour exalter en l'âme l'amour libre de volonté.
Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait « Je chante ce que je veux croire, mais sans aucun sentiment. Tout a disparu pour moi. Il ne me reste plus que l'amour. » Miserere nostri Domine, miserere nostri. Fidelium anime per misericordiam Dei requiescant in pace. Fac me tecum pie flere, crucifixo condolere, Domine fixero. Dixième station, Jésus est dépouillé de ses vêtements. Adoramus te Christe et benedicimus tibi. Avant de recevoir le baptême d'eau des mains de Saint Jean-Baptiste, Jésus s'était dépouillé de tous ses vêtements. Avant de recevoir son baptême de sang sur la croix, Jésus doit encore se dévêtir totalement. L'heure du plus grand amour, l'heure du sacrifice, est aussi l'heure de la plus grande pauvreté. Même sa tunique sans couture, son vêtement sacerdotal, lui est arraché. Le voici devenu réellement l'agneau que l'on mène à l'abattoir, l'agneau tondu, prêt au sacrifice. Miserere nostri Domine. Fidelium anime per misericordiam Dei requiescant in pace. Iuxta crucem te stare, et me tibi sociare, in planctu desidero. Onzième station, Jésus est cloué à la croix. Adoramus te Christe et benedicimus tibi. Le Fils de Dieu se laisse clouer sur cette croix d'infamie pour laver dans son sang toutes les infamies des hommes. C'est le moyen qu'a choisi l'amour pour restaurer notre pureté originelle. Ce sont aussi nos propres fautes qui l'ont conduit jusque-là. C'est pourquoi chacun de nous, nous pouvons dire, en ce vendredi saint, avec saint Paul, le Fils de Dieu m'a aimé et s'est livré pour moi. Remercions le Fils de Dieu cloué à la croix en acceptant d'aimer à sa suite jusqu'à mourir d'amour.
Miserere nostri Domine. Fidelium anime per misericordiam Dei requiescant in pace. Virgo Virginum preclara, miciam non sis amara, fac me tecum plongere. Douzième station, Jésus meurt sur la croix. Adoramus te Christe et benedicimus tibi. En Jésus qui meurt, c'est tout innocent sacrifié qui meurt. C'est Abel, tué par son frère Caïn. C'est Joseph, vendu par les siens. C'est David, poursuivi par Saül. Ce sont tous les prophètes, tous les saints persécutés. Mais ce sont également tous les enfants martyrisés, toutes les victimes des guerres, tous ceux qui peuvent crier en vérité « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» À tout cela, en mourant sur la croix, Jésus semble dire j'essuierai moi-même toutes vos larmes, et vous ne connaîtrez jamais plus ni souffrance, ni mort. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Miserere nostri Domine. Fidelium anime per misericordiam Dei requiescant in pace. Fac ut portem Christi mortem, actionis fac consortem, et plagas recolere. Treizième station, Jésus est descendu de la croix et remis à sa mère. Adoramus te Christe et benedicimus tibi. Même le corps de Jésus, martyrisé, et déposé dans les bras de Marie, est porteur d'un message de Dieu aux hommes. Ce corps sacré, affreusement blessé, nous parle du mal, de la gravité du péché, et nous le fait comme toucher du doigt. Mais le cœur ouvert de Jésus, percé par la lance, ce cœur qui a tant aimé les hommes, nous montre aussi le pardon divin. Marie reçoit ce corps comme une hostie et elle l'offre au Père, au nom de nous tous. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Miserere nostri Domine.
Fidelium anime per misericordiam Dei requiescant in pace. Fac me placis vulnerari, fac me crucine briari, et cuore filii. Quatorzième station, Jésus est mis dans le tombeau. Adoramus te Christe et benedicimus tibi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jusque dans la mort, le Christ reste la vie. Il va illuminer et combler l'âme de tous ceux qui l'attendaient depuis Adam. Il descend aux enfers. Désormais, pour tout homme, non coupé de l'amour, mourir signifiera naître à une forme de vie supérieure, éternelle, comme les anges dans le ciel, avant même le grand jour de la résurrection. C'est ce qui fait s'écrier à saint François d'Assise : Loué sois-tu, Seigneur, pour notre sœur, la mort corporelle. Miserere nostri Domine. Fidelium anime per misericordiam Dei requiescant in pace. Flammis me ars surgensus, per te Virgo sim defensus, in die judicii. Christe cum sint hinc exire, da per patrem me venire, ad palmam victoriae. Quando corpus morietur, facut anime donetur, paradisi gloria. Amen. Ô Père éternel, je vous offre le sang très précieux de Jésus-Christ, pour l'expiation de mes péchés, le soulagement des âmes du purgatoire et les besoins de la Sainte Église. Aux intentions du souverain pontife, Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Adoramus te Christe et benedicimus tibi. Ora pro nobis Virgo dolorosissima. Oremus, respice quesumus Domine superam familiam tua.
Quoque Dominus noster Iesus Christus, non dubit avit manibus tradi nocensium, et crucis subire tormentum. Domine Iesu Christe, Filii Dei vivi, qui ora sexta pro redemptione mundi crucis patibulum ascendisti, et sanguinem tuum preciosum in remissionem peccatorum nostrorum fudisti. Te humiliter deprecamur, ut post obitum nostrum januam paradisi nos gaudentes introire concedas. Interveniat pro nobis quesumus Domine Iesu Christe, nunc et in hora mortis nostre apud tuam clementiam beata Virgo Maria Mater Tua, cuius sacratissimam animam in hora tue passionis doloris gladius per transivit. Domine Iesu Christe, qui refrigescens in mundo, ad inflamandum corda nostra tui amoris inie, in carne beatissimi francisci passionis tue sacra stigmata renovasti, concede propitius, ut eius meritis et precibus adiuti, crucem iugiter firamus et dignos fructos penitentiae faciamus. Omnipotens sempiter Deus, miserere famulo tuo pontifici nostro Francisco, et dirigeus secundum tuam clementiam in viam salutis eterne, ut te donante tibi placita cupiat et tota virtute perficia. Deus, veni elargitore et humane salutis amator, quesumus clementiam tua, ut nostre congregationis fratres propinquos et benefactores, qui ex hoc seculo transierunt, beata Maria semper virgine intercedente, cum omnibus sanctis tuis ad perpetue beatitudinis consortium pervenire concedas. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Pace Domine, pace populo tuo, ne in eterno iras caris nobis. Pace Domine, pace populo caris nobis. Pace Domine, pace populo tuo, ne in eterno iras caris nobis. Pie Domine, dona eis requiem sempiterna. Iubet famne benedicere. Benedicat nos Dominus noster Iesus Christus, qui pro nobis flagellatus est, crucem portavit, et fuit crucifixus. Amen. Les fidèles qui le souhaitent peuvent maintenant s'avancer au banc de communion pour vénérer la relique de la vraie croix. Celle-ci sera désinfectée entre chaque personne.
Ave Regina Caelorum, Ave Domina Angelorum, Salve Radix, Salve Porta, Ex qua mundo lux est orta, Gaude.